Voici l'action qui a mis fin à la carrière de Boateng. De plus près, le joueur a subi un réel traumatisme. Mais comment Messi a pu mettre KO un défenseur de cette trempe? Attendez, revenons sur les faits. Nous sommes en 2014 et la Boateng est très loin de rigoler. Il est au sommet de son art. Vitesse, contact physique, précision, lecture du jeu. Bref, c'était incontestablement l'un des meilleurs défenseurs au monde. Juste que le défenseur le plus prolifique de l'époque va connaître la pire soirée de sa vie. Un soir de Ligue des Champions. Une demi-finale retour au Camp Nou. Après une défaite à l'aller, le Barça n'est pas très causant dans cette rencontre. Buteur à la 77e, Messi est à 3 minutes de plonger un joueur dans l'oubli. 80e minute, sur une passe d'Ivan Rakitic. Jérôme Boateng a le malheur de défendre sur Lionel Messi. On assiste au chevauché le plus fatal de l'histoire. Le joueur est aujourd'hui à l'Union Salernitana. Bref, je ne connais